Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme je le disais la semaine dernière, cette semaine on va se concentrer sur la fin du chantier Fermacell avec pour objectif de finir tout le Fermacell dans la maison. Donc il va me rester pas mal de petites choses à faire. Terminer ici sur les chambres la partie haute, la dernière ligne de Fermacell qu'il va falloir poser. Ensuite dans les chambres, la même chose, il reste les parties hautes à terminer. Donc on voit ici, il y aura un petit peu de structure à faire, notamment pour pouvoir visser le Fermacell en haut et bien sûr de l'autre côté fermer cette partie là aussi. Donc ça dans les deux chambres. Donc on s'attaque au Fermacell maintenant, puisqu'en fait ça va nous permettre aussi d'enfin placer tous les boîtiers électriques là où il faut et de pouvoir rappeler l'électricien pour qu'il vienne nous poser le tableau et en fait qu'on puisse commencer à utiliser nos prises et nos interrupteurs et éventuellement avoir de la lumière. Ensuite dans la cuisine, il va manquer tout le plaquage de ce plan là des niches, donc il va falloir plaquer tous les montants ici. Et donc sur toute la partie niche de la cuisine, la partie haute ici où on voit encore les poutres, puis de l'autre côté sur la cloison donc qui va jusqu'à la sous-toiture côté salle de bain. Donc j'ai déjà commencé à mettre une plaque ici, il va falloir terminer, isoler, plaquer de l'autre côté. Et ensuite on va pouvoir construire la deuxième cloison qui va en fait être positionné, alors est-ce que j'arrive à vous montrer, voilà, plus ou moins ici, donc sous la poutre à cet endroit-là, et donc il y aura une autre cloison, donc en fait on aura un sas de rangement au-dessus de la buanderie qui sera accessible par l'ouverture qu'on a déjà créée là-haut, donc depuis la salle de bain. Allez, on s'y met. Thank you.
Comme vous pouvez voir, je suis rejoint sur le chantier par Arthur, qui nous rend visite quelques jours. Ensemble, on finit d'installer l'isolation phonique et on installe le fermacelle sur la paroi qui donne sur la salle de bain. Ensuite, on anticipe le fait qu'une fois la deuxième cloison de cet espace de stockage sera construite, l'espace sera assez restreint. Arthur se met donc à jointoyer la partie du mur en pierre qui se retrouvera à l'intérieur. On utilise toujours le même produit prêt à l'emploi qu'on applique avec un accessoire à monter sur une visseuse. De mon côté, je vais enduire le petit bout de mur en bloc de chanvre. Pour cela, j'utilise un mélange préparé il y a 2 mois et demi. Il faut juste rajouter un peu d'eau.
Le jour suivant, Arthur s'attaque à la construction de la deuxième cloison, au-dessus de la buanderie. Pendant ce temps, Maddy prépare la pose du fermacel sur les montants de la structure des niches. Il faut rogner les plaques déjà installées pour arriver à fleur du bois. Thank you.
Le lendemain, je continue tout seul avec pour objectif de terminer la pose du fermacelle dans la cuisine. Et voilà le résultat. On est plutôt satisfait du résultat et de l'avancée de cette semaine, malgré la chaleur étouffante. On termine cette vidéo avec l'installation d'une caméra sans fil que nous a gentiment envoyé Reolink.
Un grand merci à eux. Elle fonctionne donc avec une carte SIM et un panneau solaire. On peut maintenant être averti si quelqu'un s'introduit sur le chantier. Comme d'habitude, on vous met un lien en description avec un code de réduction. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.